Good morning, allez, Iden, l'étude sera aujourd'hui l'Eloi Nishmat Yaakov ben Aïcha, Rivka Batsara et Rachel Batsara. Nous étudions Baba Metzia, Perek Bet Mishna Dalet, Matza Bachanut, Are Elu Shelo. Ben Ateva ben Achenvani, Shel Chenvani. Lifne Ashulchani, Are Elu Shelo. Ben Akisev el Ashulchani, Are Elu Lashulchani. Alokav Perot Mechavero, Osheshalach lo Chavero Perot, Umatza Bahen Maot, Are Elu Shelo. Mishnah simple, qui va comprendre deux parties. Dans la deuxième partie, il y aura une précision importante, donc on pourra compter trois grands thèmes, trois sujets un peu essentiels dans la Mishnah. La première partie d'abord, on va soulever une question concrète. Vous partez à l'épicerie, vous partez chez l'épicier, et vous trouvez là-bas de l'argent, par terre. Je préfère dire le mot épicier plutôt que dire le supermarché, afin de laisser un petit peu l'ambiance de l'époque où il y avait finalement un comptoir, un épicier qui était là en train de vendre, et qui avait aussi des produits derrière lui, mais qu'il y avait une certaine zone où on ne marchait pas nous-mêmes, et vous venez, donc vous tenez devant le comptoir, vous prenez vos objets, que vous voulez acheter, vous allez au comptoir, vous payez à l'épicier, d'accord? C'est clair? Donc, ça c'est la scène. Vous trouvez maintenant, quand vous rentrez dans l'épicerie, vous trouvez par terre de l'argent, tomber, posé par terre. Est-ce que vous pouvez de l'argent ou tout objet que bien sûr qui ne vient pas des étalages, qui n'est pas tombé des étalages, d'accord? C'est un objet quelconque trouvé par terre, ça peut même être un produit vendu dans l'épicerie mais qui est loin, qui n'est pas de l'endroit ici, donc c'est forcément quelqu'un qui l'a pris, qui l'a fait tomber. Qu'en faites-vous? Qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous devez le rendre à l'épicier, publier, le garder pour vous-même? La Mishnah nous dit, garde-le pour toi. Pour quelle raison? D'abord, on le fait dans les mots. Matza Bachanout, s'il a trouvé quelque chose qui n'a pas de siman, donc, dans une épicerie, un réel ou chez l'eau, ça lui appartient. Pour quelle raison? La raison, elle est simple. L'objet ne vient pas, forcément, et même probablement pas même de l'épicier. L'argent tombé par terre, et pourquoi vous voulez que ce soit l'épicier qui l'ait fait tomber? C'est plutôt les gens qui ont acquis les choses qui les ont fait tomber. Et puisque... on va prendre un cas d'argent, comme ça, c'est au moins, c'est unanime, c'est simple. D'accord? Il y a de l'argent par terre. Pourquoi vous voulez que ça vienne de l'épicier? C'est forcément les gens qui sont venus acheter, qui ont fait tomber ensuite, en entrant, en sortant, ils ont fait tomber cette pièce. Donc ça leur appartient à eux. Et l'épicier n'acquiert pas cet argent. Il n'a rien fait pour acquérir cet argent. On évoquera le petit problème du Kinyan Khaser, mais concrètement, il y a ici, l'épicier n'est même pas au courant qu'il y a de l'argent qui est tombé par terre. Il n'y a aucune raison de lui donner. De ce fait, vous trouvez l'argent, c'est quelque chose qui n'a pas de siman. Ça vous appartient. Et on continue la Mishnah. Ben Ateva Belachen Vani, Shem Chanvani. Alors maintenant, il y a un cas particulier. C'était fréquent. Donc, comme je vous ai dit à l'époque, il y avait le comptoir ici, et il y avait des petits, plein de produits aussi derrière l'épicier, où les gens ne rentraient finalement presque pas. On partait servir, comme ça, j'ai toujours en général en Israël, partout, même les paquets de cigarettes qui sont posés derrière lui, les petits, des petites friandises ou quelque chose comme ça. D'accord? Et donc, pendant que vous êtes en train de partir là-bas pour prendre un objet à acheter, vous voyez par terre une pièce. Est-ce que cette fois-ci, vous pourrez prendre cette pièce? Réponse, non, il faut la rendre à l'épicier. Pourquoi? De manière générale, les gens ne rentrent pas tellement ici, dans cette zone de l'épicerie. Tandis que l'épicier, il est constamment là et il y a son argent qui est posé. Donc il est fort probable que c'est l'épicier lui-même qui l'a fait tomber. Vous devez donc le rendre au Khanvani. On va dire que c'est sûr que ça lui appartient. D'accord? On continue avec la même chose, mais avec cette fois-ci un shulchani. Un shulchani, ça vient du mot shulchan, d'une table, mais en fait, c'est un bureau de change, un banquier. Le même principe d'abord avec... Le même principe que l'épicier, avec une différence. Avant d'apporter la différence d'abord, on répète donc les mêmes règles. Lifne shulchani arelu shelo, ben akisev la shulchani arelu la shulchani. Si on le trouve devant le comptoir, avant d'arriver au comptoir, ça lui appartient à lui, c'est l'ifne shulchani, donc arrêt le shelo, ça lui appartient. Par contre, si on le trouve entre la chaise du changeur et la table, donc on le trouve par terre là-bas dans cette zone, ça appartiendra au shulchani pour la même raison que c'est tombé de ses mains. Avec quand même une différence importante, c'est lorsqu'on trouve de l'argent qui restait posé sur le comptoir. Et alors là, ça se passe comme ça. Pour l'épicier, l'argent qui est sur le comptoir, dans le doute, on dit qu'elle appartient à l'épicier. Tandis que l'argent qu'on trouve
chez le changeur, sur le comptoir, dans la partie externe du comptoir, d'accord, lorsqu'on va, on tient debout, on s'assoit, donc derrière le, devant le changeur, sur sa petite table, il y a la moitié de la table, qui est quelque part la, la zone où le shulchan lui-même compte son argent, et la deuxième partie, c'est où le, la personne qui vient changer, lui, pose son argent, il le compte, et le, d'accord, et fait ses comptes, d'accord. Et cette fois-ci, même si vous trouvez de l'argent posé sur le comptoir, dans la partie externe, vous pourrez le prendre. Pourquoi cette différence? Très simple. Chez l'épicier, c'est en général que l'épicier qui utilise son comptoir pour mettre son argent et tout ça. C'est pas fréquent, c'est-à-dire dans la nature, de manière générale, quand on va acheter chez l'épicier, on arrive avec l'argent, on donne l'argent à l'épicier, l'épicier nous rend la monnaie. On se met pas, nous, à sortir maintenant sa bourse, et à commencer à poser, à faire des petits tas et des tas de 10 et on compte, d'accord? Donc le comptoir, c'est essentiellement le Khenvani qui l'utilise, c'est le, l'épicier qui l'utilise. De ce fait, l'argent qu'on trouverait sur le comptoir, on suppose que c'est sûr que c'est le Khenvani, c'est l'épicier qui l'a laissé ici. Même dans le cas où il aurait tendu de l'argent à un acheteur pour lui rendre sa monnaie et que l'acheteur ne l'a pas saisi, ben, l'argent il lui reste pour le moment, il reste à lui. Donc de nouveau, tout ça, donc tout argent qu'on pourrait trouver sur le comptoir appartiendrait à l'épicier. À la différence du shulchani, donc du changeur, où celui qui vient sort ses pièces et commence à faire ses tailles, à faire ses comptes, et une fois qu'il reçoit ensuite l'argent du banquier, de nouveau il les recompte, donc il utilise cette table. Alors dans ce cas-là, on va donner la moitié de la table pour les gens de l'extérieur, et l'argent qui serait trouvé là-bas, dans le doute, on suppose qu'il appartient des gens de l'extérieur qui sont venus, et qui ont donc oublié cet argent. De ce fait, vous pourrez l'acquérir, parce qu'il n'y a pas de siman, et donc il y a eu forcément un yush. Voilà pour cette première partie de la Mishnah. Je vous donne quand même une petite précision, c'était l'histoire du Khatser. On a déjà évoqué que on peut acquérir par un Kinyan Khatser. Lorsqu'il y a une pièce, supposons qu'il y a une pièce qui appartient à personne, que je trouve dans ma maison d'abord, elle m'appartient. Je l'acquiers par le fait que la maison, mon bien, fait le Maasé Kinyan, acquiert à ma place, acquiert pour moi. C'est comme un chaliach, un délégué qui pourrait partir acquérir quelque chose pour moi, la même chose, mon bien a cette capacité d'acquérir les choses pour moi. Et on avait déjà évoqué le cas de la pièce du billet qui volerait par la fenêtre et qui rentrerait chez moi. Même si je ne suis pas au courant qu'il est entré chez moi, je l'acquiers chez l'omidato, même sans prendre connaissance, mais, et donc de ce fait, de la question. L'argent qu'on trouve dans le magasin, pourquoi le Khenvani ne l'acquérerait pas? Il n'y a pas de raison, apparemment. Et la réponse, elle rejoint la même notion qu'on avait rapportée hier. C'est rapporté dans le même Tosfot, en fait. C'est aussi le même Tosfot Yom Tov qui le rapporte tous les deux. Le fait que quelque chose que ce n'est pas sûr qu'on va trouver, alors il n'y a plus de Khatser qui connaît. Ouais, on avait hier évoqué le cas de l'argent qu'on trouverait d'un trésor enfoui entre les pierres de mon mur. Et puisque ce n'est pas quelque chose que je suis censé casser, je ne suis pas censé casser mon mur pour trouver éventuellement des trésors à l'intérieur. Donc mon khatser n'acquiert pas ce type de choses. Le khatser n'acquiert que ce que je vais finalement découvrir dans les prochaines heures, prochains jours, mais sûrement pas ce que je vais éventuellement découvrir au bout de 17 ans, il n'y a pas de raison. La même chose aussi pour le khenvani dans la partie externe. Les gens rentrent, sortent, ils peuvent facilement pousser la pièce dehors sans qu'on l'acquiert. Le khenvani n'aura aucune connaissance de cette pièce qui est tombée chez lui. Elle est peut-être même tombée... D'accord ? Je vous laisse imaginer tous les cas possibles. Et de ce fait, le Khenvani, donc l'épicier n'acquiert pas, ou le banquier, n'acquiert pas avec leur Khatser, ils ne font pas de Kinyan Khatser. Voilà pour la première partie de la Mishnah. Deuxième partie de la Mishnah, allez, supposons maintenant que je vous envoie un cajot de fruits. D'accord ? Il y a mon copain qui part en voiture jusqu'à chez vous, vous habitez à Ashdod, Natania, Tel Aviv, où vous voulez. Et je lui donne un cajot de fruits. Vous recevez le cajot de fruits. Et pendant que vous commencez à sortir les bonnes pêches, vous découvrez qu'il y a là-bas un billet de 100 shekels. Qu'est-ce que vous faites? Vous le prenez pour vous? Vous m'appelez pour me dire vous avez trouvé 100 shekels? Éventuellement, cet intermédiaire, même si finalement il n'y a pas de raison que lui soit mis à toucher les fruits et qu'il ait perdu son argent. Qu'en faites-vous? La Mishnah nous enseigne « Alokear perot michavero » celui qui achète des fruits de son ami. Ou encore, même si c'est gratuitement, j'ai envoyé des fruits chez mon ami, au Matzaba en Maot, et l'ami, en réceptionnant les fruits, il découvre dans le cajot de l'argent, précision importante,
100 siman, ça va être la fin de la Mishnah. Donc 100 siman, un billet de 100 shekels, une pièce de 10 shekels. D'accord ? Est-ce que vous pouvez l'acquérir ou non ? La Mishnah nous dit, ah, le shelo, elle t'appartient. Pourquoi ? De quoi parle-t-on en réalité ? Après, la Gemara précise, et c'est rapporté dans le Barthénora, on le fera dans les mots tout à l'heure, il y a deux cas de figure en fait. Il y a le cas de figure où il y a des mains étrangères qui touchent à ces fruits. À partir du moment où il y a des mains étrangères qui touchent à ces fruits, donc celui qui réceptionne les fruits ne peut plus savoir qui est celui qui a perdu les fruits. De ce fait, la personne elle-même qui a perdu son argent sait qu'on ne pourra pas lui restituer l'argent. Et il n'y a pas de siman, de ce fait, il fait yéhouch. Il se décourage, désespère de les retrouver. Et donc l'argent devient fker, et lorsque je trouve, je peux l'acquérir. De nouveau, le copain qui a envoyé, aussi bien que le chaliar, l'envoyeur, le coursier, non plus n'ont pas acquis par Kinyan Khatser, par le fait que c'était posé dans leur maison, dans leur cajot, peu importe. Ils n'ont pas acquis non plus par Kinyan Khatser, pour la même raison, quelque chose qu'ils ne savent pas qu'ils vont le voir, quelque chose qu'ils ne sont pas censés voir qu'il avait, qu'il était chez eux, il n'y a pas de Kinyan Khatser qui marche. D'accord ? Quel est le cas ? Maintenant, j'ai proposé le cas théorique où il y a des mains étrangères. Concrètement, ça implique deux cas de figure. Soit, moi-même, je ne suis pas celui qui a cueilli les fruits. En réalité, j'ai acheté en gros 17 cajots de pêche. Et je vous en ai envoyé un, je ne voulais pas que ça pourrisse chez moi. Donc finalement, moi-même, je les ai achetés de quelqu'un d'autre. Et je ne sais même pas de qui je les ai achetés. Je peux en prendre chez lui, chez l'autre. D'accord ? Je ne sais pas de quel champ ils viennent ces pêches. Premièrement. Deuxième cas de figure, même s'ils viennent réellement de mon champ, mais ce ne sont pas mes emplois, c'est pas moi-même qui vais cueillir les fruits. Et j'ai en l'occurrence 3 employés, 4 employés, 5 employés. Personne ne va savoir. Vous allez peiner à le retrouver, ça ne va pas être possible. De ce fait, donc, un relouchelo, ça lui appartient. À exclure le cas où je suis moi-même le propriétaire de mon champ, et je cueille moi-même, ou bien par les membres de ma famille, ma femme, mes enfants, ou encore mes esclaves servantes, donc tout ce qu'ils ont, ça m'appartient. De ce fait, lorsque vous trouverez cet argent, vous devrez effectivement le rendre, puisqu'il vient forcément de chez moi. D'accord ? Précision maintenant de la fin de la Mishnah. Imayut Sururin, on a fait ça dans les mots, on recommence peut-être à l'okar, non, on l'a fait dans les mots. À l'okar perot mechavero, celui qui achète des fruits de son prochain. Ou encore que son ami lui a envoyé des fruits au matzah ba'en ma'ot, et pendant qu'il a commencé à sortir les fruits, là-bas il a matzah ba'en ma'ot, il a vu qu'il y avait à l'intérieur des pièces, arei elu shelo. Et lui, l'argent qu'il trouve lui appartient, parce qu'on parle qu'il n'y a pas de siman. Par contre, imayut sururin, si les pièces étaient rassemblées ensemble dans une bourse, dans un petit sachet, donc il y a maintenant un siman, premièrement, parce qu'ils étaient ensemble dans une même bourse, on peut donner un siman sur la bourse, on peut dire le nombre de pièces qu'il y avait, puisque Minyan avait siman, on a déjà évoqué le cas. Dans ce cas-là, notel ou machriz, il faudra effectivement publier le fait qu'on a trouvé de l'argent. En parler, aller mettre chez celui qui a envoyé les fruits, aller mettre au marché, on a trouvé de l'argent, venez les acquérir avec simanim, venez les récupérer avec simanim. Voilà pour la Mishnah, et on fait maintenant le Barthénora. Matsa bachanut are elu shelo. Bedavar shen bosiman maire. On avait vu, lorsqu'on trouve quelque chose dans l'épicerie, donc ça lui appartient, le Barthénora nous précise. Bedavar shen bosiman maire. On parle d'un objet qui n'a pas de siman, comme une pièce. Parce que celui de qui cette pièce, cet objet est tombé, et mitia esh, se désespère, se décourage de le trouver. Pourquoi ? Shakol nichnasim lesham. Il y a tellement de va-et-vient dans ce magasin que c'est sûr qu'il va le perdre. Ben la teva ve la shulchani. Ensuite, on avait vu l'argent qu'on trouve entre la teva. Entre la teva, si on traduit le mot teva, teva c'est une boîte. C'est l'argent où est-ce que le chenvani, l'épicier, met là-bas tout l'argent de toute sa recette. Donc, shachenvani au chef lefanea. On parle de la zone où le chenvani, l'épicier, s'assoit devant elle, devant cette boîte. Vetamid notel mimena. Toujours, il prend là-bas des pièces. Benoten lefanav ou mocher, et il pose devant lui et il vend. Ou maotchinot nimlo noten betochai, l'argent qu'on lui donne ensuite pour payer, il l'avait dedans. Velo nafal shum davar ela miyad chenvani. Tout ce qui peut tomber dans cette zone ne tombe forcément que des mains du chenvani. C'est la logique des choses. D'accord ? On continue ensuite avec le cas
C'était donc la même chose, la même histoire, mais avec cette fois-ci un banquier, un bureau de change. Lifnei shulchani are elu shelo damrinan min abaim la'achlif ma'ot naflo. Parce qu'on va supposer que ces pièces sont tombées de ceux qui sont venus changer leur argent. Sharei ashulchan ifsig ben shulchani le ma'ot shenimtzau. Car la table fait sépare, d'accord, distingue Sharei ashulchan mafsi qui fait un ifsig qui fait, d'accord, il sépare le ben ashulchani le ma'ot shenimtzau. Il y a ici, c'est, concrètement, c'est pas logique que ce soit tombé de chez lui, de l'autre côté, parce que la table aurait forcément bloqué. Vous allez me dire, mais alors quoi, peut-être que ça peut rouler par en dessous. Alors je suppose que la Mishnah parlait d'un endroit où les tables étaient relativement pleines, ça pouvait pas, il n'y avait pas de scénario pareil. Comme ça, je suppose. Ve'im min ha'shulchani em, aya la'em le'imatze beno ve'lakise sh'ha'shulchan munach alav. Parce que si ces pièces étaient tombées des mains du banquier, alors elles ont dû se trouver entre lui, sa chaise et sa petite table qui est posée devant lui. Alors Kéar Perot, la précision que je vous avais donnée sur la différence entre le Shulchan et le Chenvani, donc sur l'argent posé sur le comptoir, elle est rapportée ici dans le Tosot Yom Tov et c'est déduit de la Gemara explicitement. Alors Kéar Perot Mechavero Vechole. Maintenant, dernière partie de la Mishnah, celui qui achète des fruits de son prochain. Donc le Barton Noir va nous dire attention, Vekegon Chechavero Ze Tagar. On parle du cas où son copain qui a envoyé les fruits est lui-même un commerçant, pas un agriculteur, c'est-à-dire il achète en gros et il les revend. Chez la carte, voiso au perotal, l'eau qu'il a pris, c'est réel ou ses fruits, mais un achima arbe de plusieurs personnes, velo yadir de maninou et il ne sait pas de qui précisément il les a achetés. Mais kevan de litba osiman niti achoa balim. Et puisqu'il n'y a pas de signe distinctif sur l'argent, alors le propriétaire est mitiaesh, se désespère de le trouver. Aval, imze shemachar. Et à perot liktan ou atzmo minakar kachelo. Si celui qui a vendu les fruits les a lui-même cueillis, lui-même, chez Vada Yamaot Alelu Sheloen, car il est certain dans ce cas-là que l'argent qu'il a vient de lui, de qui il peut tomber, puisque c'est lui-même qui cueille, ou sa femme et ses enfants, alors, Chayav Lachzir, on devra tout simplement les rendre, même pas publier, mais les rendre directement, puisqu'on connaît l'expéditeur. Veimayut Sururim. À Kesher ou à Minyan Shelahem Abessiman. Si l'argent était se trouvait dans une bourse, donc, ouais, on devra publier. Pourquoi? Parce que à Kesher, car la manière de fermer le nœud qu'on pourrait faire sur le tissu dans lequel on a. Ouais, c'est une base de l'époque, là, un petit bout de tissu, on a mis dedans et on a fait un nœud. Ou encore ou à Minyan Shelahem, ou la quantité qu'il y a dedans, Abessiman, ce sera le signe distinctif, donc le propriétaire ne se désespère pas. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Rendez-vous, Bezrat Hashem, dimanche matin et Shabbat Shalom. Kol Touv.